Dans l'actualité sportive de ce jour, pas de risque majeur pour Paulo Duarte. On prend les mêmes et on recommence sur la liste des 24 joueurs appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes et engranger des victoires à la CAN 2017. Peu de nouveaux décryptages de la liste avec Victorien Marienne dès le début de ce magazine. Pour accompagner le 11 national au Gabon, le ministère des Sports et des Loisirs a lancé un appel à souscription. Pourquoi, quels en sont les enjeux et les résultats escomptés? Tayourouba Bangré, le ministre himself, nous citera. Étonnante et prolifique quatrième journée, sale temps pour les clubs traditionnels. Les grands ont chuté à l'exception du solide leader, le RCK. Regain de forme pour la SFB, l'USO et Raïmo FC. Le point complet à suivre. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. 24 soldats pour défendre le drapeau national au Gabon. Paulo Duarte a rendu sa liste publique jeudi au cours d'une conférence de presse. Pas de véritable changement. L'ossature est maintenue, renforcée par de nouveaux venus. À partir du 28 décembre, commence le stage de préparation à Marrakech, au Maroc. À l'issue de ce rassemblement, la liste des 23 retenus sera connue. La présélection grandeur nature avec Sié Delarienne et Victorien Marienne. Du 14 janvier au 5 février 2017, l'Afrique du Foot sera en fête au Gabon. Les étalons logés dans le groupe A en compagnie du Cameroun, de la Guinée-Bissau et du pays organisateur, le Gabon, établiront leur camp d'entraînement à Marrakech au Maroc pour compter du 28 décembre 2016. Maroc, c'est un des 4 choix qu'on a programmé, qu'on a avancé le nom sur la liste, sur la table. On a lancé Maroc, on a lancé Malabo, on a lancé Portugal et on a lancé le Golfe. Donc face à certains aspects positifs et négatifs de chaque pays, à la fin, on a dû dire que la possibilité plus fiable et la plus constante face à notre condition et à notre possibilité, c'est le Maroc, Marrakech. Donc, comme j'ai déjà dit avant, on va faire 12 jours à Marrakech et on va faire 7 ou 6 jours au Gabon. Qui 7 jours, c'est parfaitement acceptable et suffisant pour adapter au climat et à toute la température du Gabon. C'est une liste de 24 joueurs qui a été dévoilée par Paulo Duarte à la presse nationale et internationale. Il y a des habitués comme Bakary Koné, Germain Sanou, Steve, Razak, Charles Kabore, Alain Traoré, Jonathan Petroapa, Projus Nakoulma, Jonathan Zongo, Bertrand Traoré et Aristide Bansé. Et c'est un véritable baptême de feu pour la jeune garde amenée par Adama Guira, Banou, Hervé Kofi, Dayo Paro, Patrick Malo, Cyril Bayala et les locaux Aboubakar Sawadogo et Yakuba Koulibaly, tous du RCB. Et ce n'est pas tout, on y découvre également des invités surprises que sont Aboubakar Ernest Kongo, Maroc, Ismaïla Lengani, Israël, le retour de Bakary Saré, Portugal et Blati Touré de Chypre. Mais les incertitudes au sein des étalons ont toujours la peau dure. La CAN, c'est un prix pour le sacrifice du joueur qui, pendant toute l'année, on travaille bien, on perdu leurs vacances. Ça, c'est, je suis 100% d'accord. Et quand l'équipe est 100% là-bas, comme on a regardé contre l'Afrique du Sud, j'ai pas peur de quelqu'un, j'ai panique de quelqu'un parce que je sais que j'ai une grande force, une grande équipe. Mais pour avoir cette force et cette grande équipe, pour faire une grande CAN et arriver le plus loin possible, j'ai besoin d'avoir tous les joueurs en forme. Un joueur, je sais que je ne peux pas avoir déjà. C'est Steve Yago pendant un match. Donc, il faut qu'on ait tous les autres en pleine forme et qui récupèrent la blessure. Et s'ils sont en pleine forme, je suis sûr qu'on va faire du mal aux autres. 12 jours durant et à Marrakech, les étalons devront peaufiner les stratégies et autres tactiques à même de les rendre compétitifs, ambitieux et concurrents. Les moyens ont été dégagés pour exécuter convenablement ce programme. Comme je l'ai dit, une mission est déjà sur place pour préparer l'arrivée des étalons, aussi bien à Marrakech comme à Libreville. Donc toutes les dispositions sont prises pour faciliter le séjour des étalons dans ces deux villes-là et pour permettre aux étalons d'effectuer une très bonne CAN. Les primes, tout arrêté, de concert avec les joueurs,
tout ce qu'il y a comme ingrédients pour booster cette équipe? Tout à fait. Comme vous le savez, avec l'équipe nationale, ces questions ont été toujours réglées. Donc, les questions des primes ne se posent pas. Bon, je pense que c'est des conventions qui ont été arrêtées depuis lors. Et, bon, la fédération et le ministère travaillent à les respecter. À Marrakech, le stage de préparation sera ponctué par deux matchs internationaux amicaux contre le Maroc et le Mali. Autrement dit, la CAN 2017 au Gabon se joue déjà sur papier. Et il ne faudrait surtout pas se tromper dans le choix des hommes. Une présélection de 24 pour le moment et un 25e devrait les rejoindre. Deux matchs amicaux donc sont prévus, comme Victorien l'a dit. Le 4 janvier, les étalons affronteront les lions locaux de l'Atlas. Avant de s'envoler, ils croiseront le Mali le 7 ou le 8 janvier prochain. Bonsoir, monsieur le ministre, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Christelle. Dites-nous, est-ce que c'est un bon cru qu'on a là avec cette liste des 24? Oui, il faut d'abord... Je voudrais vous exprimer tous mes remerciements, ainsi que tous les journalistes sportifs qui, dans leurs analyses et commentaires, apportent de la plus-value donc à toutes nos équipes sportives. Aussi, je vais profiter donc de votre micro pour saluer l'ensemble donc de nos partenaires, l'État aussi d'abord, donc qui font beaucoup d'efforts donc pour le sport. Ensuite, nous avons nos partenaires, les entreprises, les sociétés, et qui apportent beaucoup, qui durant toute l'année, qui nous soutiennent. Et on viendra là-dessus, donc par rapport à la souscription d'ailleurs. Et donc pour dire le cru, le 24 juin, oui, je l'ai dit, il faut faire confiance aux entraîneurs. Et jusqu'à présent, nous les Burkinabés, nous ne croyons pas à notre équipe, à nos jeunes. Je l'ai souvent dit que nous, à notre temps, on n'a jamais eu ce genre de résultats. Pourtant, on avait de très bons joueurs, mais bon, il faut faire confiance. On a vu cette équipe qui a défié l'Afrique du Sud, hein, qui n'est pas la dernière des équipes, vous le savez très très bien. Sur le papier, il n'y a pas photo. On a pu quand même les tenir aussi, on aurait même pu les gagner, on était au stade. Et quand l'Afrique du Sud va battre le Sénégal après, bon, on se dit vraiment, nos jeunes, pourtant, on n'y croyait pas. Et au Cap-Vert, nous sommes partis peut-être pour prendre un point là-bas, parce qu'on a souvent eu des soucis avec eux. Et on ramène les trois points. Franchement, moi, je pense qu'il faut, faire confiance à ces garçons. Et question d'expérience, on va dire que c'est des vieux joueurs. Moi, je pense qu'ils ont de l'expérience. Et c'est ça qui fait la CAN. Et vous prenez toutes les équipes qui gagnent souvent la CAN, c'est celles qui ont de l'expérience. Et je pense que les nôtres, ils ont eu de la maturité. Et ça y fait beaucoup lors de cette compétition-là qui est très, très difficile. Les matchs lors des éliminatoires sont quelquefois différents lors des phases finales de CAN. À combien évaluez-vous donc sur une échelle de 10 nos chances face à une équipe comme le Gabon, qui est le pays hôte, le Cameroun et la Guinée-Bissau? Non, ce que je peux dire, il n'y a pas besoin de mettre une échelle ici. Il faut aborder la compétition avec beaucoup de conviction. Et en tant que compétiteur, hein, je sais qu'il ne faut pas... le premier match est très, très important. On le sait très très bien, il ne faut pas faillir là-bas. Et il faut faut faire un résultat, surtout pas de défaite. Mais bon, même si après, si vous alignez deux victoires, ça peut y aller. Mais donc, la compétition, c'est comme ça, à trois matchs. Donc, il faut s'accrocher dès le début et gérer le deuxième match et le troisième match. Ça va être très très difficile. Hein. C'est difficile pour toutes les quatre équipes. Et moi, je ne connais pas très très bien... le Gabon ou le Cameroun, on ne sait pas trop. Toutes les équipes aussi, hein, c'est qui va. Hein, ça, elles ont pratiquement toutes des soucis. J'ai regardé aussi le Cameroun, ils ont des blessés. Les Gabonais, Aubameyang vient pas, on ne sait pas. Donc, vraiment, je pense que les nôtres, moi, j'ai pas. Je me dis, il faut qu'ils se défoncent, il faut qu'ils mouillent le maillot. Et moi, ça me suffit largement. On vient à l'objet de cette visite que vous nous rendez ce soir. Vous faites un appel à souscription. En quoi consiste-t-il? Bon, nous sommes dans une démarche citoyenne. Il faut savoir que le budget de l'État, de la CAN, etc., c'est l'État qui s'en occupe, c'est le ministère qui s'en occupe. Et il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire. Le ministère, l'État ne peut pas tout faire. Ça, il faut le reconnaître avec tous les besoins que nous avons, les besoins sociaux, l'école, les hôpitaux,
la santé, l'agriculture, etc. Nous avons vraiment d'énormes besoins et on fait des efforts par rapport au sport donc pour nous octroyer un budget assez conséquent pour aller à la CAN. Mais il faut savoir que ce budget, il ne suffit pas. Il ne suffit pas. Vous voyez, beaucoup de gens veulent aller, il n'y a pas de place. C'est vrai qu'on va s'occuper bien, on va s'occuper de nos joueurs, ça, on va faire l'effort, mais il faut de l'accompagnement aussi pour aller supporter. Donc, vous voyez ailleurs, c'est 500 supporters pour la Côte d'Ivoire, etc. Bon, nous, on se démêle ici bon, avec les moyens du bord. Et vous savez, la situation au Burkina Faso, ce n'est pas facile. Donc, on a peut-être 150 personnes qui peuvent y aller. Et là aussi, il faut batailler donc, pour avoir l'État. Moi, je comprends très, très bien. Nos moyens sont limités. Donc, c'est à nous de trouver des initiatives donc, qui vont permettre donc, un accompagnement beaucoup plus serein donc, de notre équipe. D'où cette initiative donc, de lancer cette souscription. D'ailleurs, bon, moi, j'ai discuté avec certains opérateurs économiques qui m'ont dit, mais pourquoi pas lancer une souscription? Peut-être qu'ils pourront nous accompagner, ces entreprises-là. Donc, l'idée est venue comme ça et autour de moi aussi, au niveau du ministère. Donc, j'avais cette idée. Pourquoi pas faire quelque chose, ne pas rester là? Parce qu'après, on va dire, mais quelle initiative vous avez pris? Bon, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les uns et les autres, bon, chacun apprécie donc à sa manière. Mais bon, il n'y a pas de souci à se faire. C'est vrai que on parle donc du bilan, qu'est-ce que vous allez. On n'a pas confiance aux gens. Moi, je dis aux. Il faut reconnaître également qu'il y a eu un passé qui fait que, bon, cette confiance l'est rompue. Mais bien sûr, mais bon, les choses se sont passées par le passé. Mais moi, je promets que. Quelle garantie oui, donnez-vous donc à ces partenaires? La garantie, déjà, c'est une question d'organisation. On a un comité d'organisation que nous avons mis en place, donc qui est composé, vous le savez, bon, il y a le ministère donc, des Sports, il y a la Fédération burkinabé de football, il y a l'Union nationale des supporters, il y a les journalistes aussi donc, qui vont composer par rapport à cette souscription. Donc il y aura de la transparence. Et à la fin, on fera le bilan. Et donc n'importe qui pourra venir savoir ce qu'on a fait donc, de ces fonds-là. Donc pour l'instant, donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est dans une démarche citoyenne, un élan patriotique, parce que bon, les étalons, c'est ça aussi. Hein. Bon, lorsque vous aimez quelque chose, donc il faut l'aider, il faut les aider. Et nous ne demandons pas à ceux qui n'ont pas les moyens. Bon, c'est ça. Hein. C'est une question donc, de volonté. Il y a des gens bon, que nous avons approchés d'ailleurs. Hein. On a envoyé du courrier donc, à des sociétés, à des entreprises qui continuent donc, de nous aider. Il y a pas que, c'est pas que le football. Là. On a vu autour du Faso aussi, c'est la même chose. Il y a des gens individuellement donc, qui nous ont aidés comme ça. Moi, je pense que c'est dans cet élan patriotique-là que donc, nous voulons que accompagner donc, les étalons. Il y a des sociétés, bon, des entreprises qui viendront. Les bonnes volontés aussi bon, peuvent nous accompagner. Si je suis un partenaire, qu'est-ce que je gagne en souscrivant? Bon, gagner, c'est voilà, de votre nom peut-être sera associé donc aux étalons. En cas de victoire aussi, c'est bien, hein, vous savez. Bon, mais moralement aussi, hein, les gens qui accompagnent, c'est quelque chose. On fait quelque chose pour son pays, pour sa nation, pour les jeunes hein, de Burkina Faso. Moi, je pense que c'est surtout ça qui préoccupe les gens. Ils savent aussi que l'État ne peut pas tout faire, donc il faut que le privé vienne aider, vienne manifester. Donc en offrant donc quelque chose aux États. Alors moi, je pense que c'est dans ce sens-là que nous avons vu la chose, parce que les supporters, le 12e homme, on en a besoin là-bas. Et nous voulons aussi, à travers cette souscription, donc avoir les moyens pour organiser nos supporters qui sont sur place au Gabon. Bon, on compte environ 30 000 personnes, 30 000 Burkinabés qui s'y trouvent. Donc il va falloir les organiser, donc les payer, les places au stade, etc., avec les couleurs du Burkina Faso, etc. Bon, je pense que c'est en cela que nous avons organisé cette souscription. Et même aussi, comme j'ai dit, si ça se passe très bien, bon, c'est bonifié les journalistes, hein, on peut ajouter, parce que bon, le quota, la pression est très forte en ce moment, beaucoup de gens veulent y aller, c'est légitimement, hein, ça, moi, je trouve, les gens, vous supportez les étalons, vous avez envie d'aller, mais bon, on ne peut pas offrir la place à tout le monde, vous le savez très, très bien. Donc, quelle somme espériez-vous avoir? Ça, je ne peux pas rentrer, oui, je ne peux pas rentrer dans ces calculs-là, hein, franchement, c'est de la loterie, hein, donc... je ne sais pas combien. Franchement, si je vous dis un montant. Non, mais vous espériez avoir combien dans vos calculs? Nous aussi, je ne sais pas si on a une cinquantaine de millions déjà. Bon, l'essentiel est que nous, on puisse avoir quelques journalistes en plus de nous, quelques supporters encore, etc., qui puissent nous accompagner. C'est surtout ça, dans ce sens-là, parce que, bon,
Il faut savoir que les journalistes, lorsqu'on les envoie, c'est bien aussi par rapport à la couverture. Les radios, on ne peut pas amener beaucoup de journalistes parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour les amener. Avec cette solution, ce sera l'occasion donc d'aller du simple au double. Peut-être, on ne sait jamais quoi. Avant de revenir à vous, on va faire un clin d'œil du côté de la première division. Invraisemblable, quatrième journée du Face au Foot. Que de surprise. Direction Saponné sur un terrain pas trop commode, les locaux étaient face au jaune vert. Majestic s'est payé le scalp de l'Asfayenega. 3-2, un match mouvementé, arrêté, puis repris grâce à la synergie des différents acteurs. Explication sur les tenaces et les aboutissants de ce match avec Dilary Yen et Jean-Victor Ouedraogo. Voici le coach Amadou Sampo de Majestic porté en triomphe par les supporters des Saponais après avoir battu les jaunes et verts par 3-2. Pourtant, un pénalty accordé par l'arbitre central à l'équipe de Majestic à la 89e minute a provoqué le courroux des supporters asphaziens qui ont envahi le terrain. Après la calmie, Ben Idriss Rachid Daou prend à défaut le portier Inoussa Kongo et permet à son équipe de partager l'égalité de but avec l'Asfa de 2-0. Vraiment, je dis merci à mes joueurs. J'ai vu que aujourd'hui j'ai une grande équipe, j'ai une grande équipe de l'Asfa Nyenega. Mais vous avez vu le match. Mais aujourd'hui, une défaite. Je n'ai pas pour habitude d'accuser les arbitres. S'il vous plaît, étant journaliste, montrez les deux dernières actions où se trouve le pénalty et le but égalisateur. Il n'y avait pas de pénalty, il s'est fait un pénalty. Le troisième but, il y avait trois hors-jeu, il laisse jouer. Même si après le gardien fait la faute, mais il y avait hors-jeu sur les ballons. C'est tout ce que moi j'ai dit. Sinon, le Majestic a joué, mais on était plus fort, on était présent qu'eux. On a failli perdre le match par réellement un but qui est venu comme ça, où on avait l'entame du jeu. Et je tenais réellement à féliciter la population de Saponné réellement qui est sortie massivement. Et moi, je les dédie la victoire parce qu'ils nous ont poussé réellement à croire jusqu'au bout. Et étant mené 1-0, on a su les venir. Tous après le but seulement, ils ont aggravé. Vous voyez que avec le sang-froid aussi, les enfants ont crié, ils ont égalisé. Et on a cru jusqu'au bout. Et on est passé à un système de 3-3-4. Pour finaliser, c'est ça aussi qui a créé les occasions et qu'on les a concrétisées. Après une première partie terne, c'est à la 63e minute que ce festival de buts commence avec cette réalisation signée Ousaï Fat Compaoré. 22 minutes après le but yéninguiste, le fait follet d'Audani Kieman dans un angle fermé crucifie le portier asphazien. Le deuxième but de l'Asfa est intervenu à la 87e minute, but marqué par Zachary Gafouri. C'est Rachid Ben Idriss qui a scellé le sort de l'équipe de Sancho en marquant le troisième but à la 96e minute suite à ses gestes brouillons du portier Inoussa Kongo. Voilà pour ce match. Les journalistes avaient déjà attiré l'attention de la Ligue de football professionnel sur ce terrain, mais on nous avait donné les garanties que les techniciens sont passés et que le terrain était praticable, qu'il n'y aura pas de problème. Mais depuis quelque temps, donc, nous sommes sur notre fin. Dites-nous, monsieur le ministre, est-ce que ce genre de terrain-là, est-ce que c'est pratique? Est-ce qu'on doit jouer un championnat qui aspire à la professionnalisation sur ce genre de terrain, alors qu'il y a le terrain de Kaya qui a eu sa pelouse synthétique? Pourquoi on ne peut pas délocaliser le match du Majestic à Kaya, par exemple? C'est la distance aussi, hein, quand on va quitter de l'autre côté pour aller. Non, moi, je crois qu'il faut... C'est toute la volonté du gouvernement, hein, qui porte un intérêt donc aux infrastructures de qualité. Donc, c'est ce que j'ai souvent dit, on ne peut pas pratiquer un beau football sans les infrastructures de qualité. Vous voyez les conditions dans lesquelles évoluent les joueurs. Donc nous, c'est ce que j'ai dit durant le mandat présidentiel jusqu'à la fin du mandat présidentiel.
toutes les 13 régions seront dotées donc de gazon synthétique. Mais en attendant, est-ce que pour vous, qui avez été un ancien joueur, vous pensez que le terrain du Majestic est commode? Est-ce que c'est un terrain sur lequel on doit jouer un match? Oui, réglementairement, c'est un peu compliqué lorsqu'il n'y a même pas de barrière. Ça, c'est dangereux pour les acteurs sur le terrain. À tout moment, les gens peuvent rentrer dans l'air du jeu et c'est pas bon pour la sécurité même des joueurs. Je pense qu'il faut qu'ils y veillent quand même à trouver des solutions assez rapidement pour mettre des barrières. On peut le faire, hein, c'est fait rapidement. Et je pense que dans les années ou dans les mois à venir, hein, Manga, c'est des projets qu'il faut réaliser. S'ils doivent jouer en première division, je pense que bon, il faut des projets de gazon sur ces terrains-là dorénavant. Je pense qu'en première division, ça, il faut se le dire. Comme vous l'avez si bien dit, lorsqu'on désire la professionnalisation, il faut qu'on ait des infrastructures de qualité. Avec le président de la fédération, on discute là-dessus hein, pour qu'il y ait... Vraiment, c'est pour nos jeunes. Nous, on a joué sur ce genre de terrain. Il ne faut pas que nos petits frères ou nos enfants vont évoluer sur les... Parce qu'on voit que l'autre jour, vous avez vu à Kaya, même les gars qui n'ont jamais évolué sur du gazon, ils jouaient très, très bien. Ils arrivaient à... Techniquement, c'était bien à voir. Je pense qu'il faut qu'on ait cette vision et des infrastructures donc, de qualité. Ça va coûter cher, mais il faut investir donc, dans ces infrastructures-là. Monsieur le ministre, avant de prendre congé de vous, ce sera votre première CAN avec le groupe des étalons. Qu'attendez-vous? Bon, j'attends la victoire comme tous les Burkinabés. Qu'on aille en finale, qu'on remporte cette coupe. Ça, c'est le souhait que nous formulons. Et on va tout faire pour qu'on y arrive. Bon, advienne que pourra. Bon, maintenant, ce que j'ai dit, on va se donner les moyens, une bonne préparation. Moi, je fais confiance au staff technique. Et c'est eux qui voient, ils sont là, c'est des professionnels. Donc, ils vont se donner les moyens donc, pour parvenir donc, à leur fin. Et que les dieux du football soient avec nous. Donc, je pense que les Burkinabés, on sera tous unis derrière donc, notre équipe. On va éliminer tous ces langages qui parlent de mal de notre équipe. Allons-y. Ils se sont qualifiés, ils l'ont mérité. Donc, on sort tous derrière donc, cette équipe-là. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Merci. Et la RTB sera au cœur avec des images aussi bien de Ouagadougou que de Libreville. Nous continuons avec la quatrième journée du championnat national de D1. L'autre surprise est venue de Bopo Dioulasso. Le derby était à la hauteur des attentes. Pour cette fois, ce sont les supporters des Buffles qui sont sortis les plus heureux et les plus comblés, à l'exemple donc du ministre des Sports ici présent. Les Buffles donc ont écœuré et terrassé les Tigres 2-1. Une belle revanche de Oscar Barrault sur son ancien club. Vivez ou revivez les temps forts dans ces extraits. On essaie de partir en profondeur. Attends Kofi. Et le but. Le but d'Antoine Kofi. Ah oui. Antoine Kofi qui lobe Baba Zongo, qui n'a fait que constater qu'il allait chercher le ballon au fond de ses filets, comme on le revoit. Debé pour Diabaté. Diabaté qui passe, le centre de Diabaté et la reprise de Ibrango. Ah non, et c'est pas fini, Amoto. Amoto Ibrango. Et dans le cafouillage. Alors qu'on revoit le but Kalfa, le cafouillage d'abord, Jérôme en train de parler, c'est vrai. Jérôme, merci Jérôme. Le but, voilà, cafouillage. Warren en 1-2 avec Issou Zonon. Warren, le centre de Warren. Warren, sans nous pardon, qui centre pour Lionel. Et Lionel, du plat du pied, qui crucifie Baba Zongo. Voilà, 7 ans donc que la SFP n'avait pas battu le RCB. Et c'était au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Une rencontre que vous avez dû vivre sur nos antennes. 2-1 pour les jeunes et noirs de Bobo Dioulasso. Oh, Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, l'USO s'est bien reprise de sa chute. De la troisième journée, les rouges et blancs de l'Ale ont fait passer de sales 90 minutes à l'étoile filante en l'accueillant 2-0. Nongba Kouda Dabakini. Toujours pas de victoire pour l'étoile filante de Ouagadougou après 4 journées de compétition. Il y a lieu donc de s'inquiéter. Rien n'a marché ce soir. En première mi-temps, on a essayé, on a essayé qu'on est. On a joué. On a joué tout sauf le football. On ne faisait que balancer. On ne peut pas gagner un match si tu balances. Ce n'est pas possible. Donc moi, en tant qu'entraîneur, vraiment, je suis vraiment désolé.
Je pensais que je pouvais apporter un plus à l'étoile filante de Ouagadougou. Je vois que de jour en jour, ça devient difficile. De jour en venir, je vais réfléchir pour mon avenir à l'étoile. Les stélistes sont tombés au stade Issoufou Konombo de Ouagadougou, 2-0 face à l'USO, après avoir résisté en première mi-temps. Soixantième minute, Arnaud Bandé ouvre le score. Il porte ce score à 2-0, 30 minutes après, soit à la 90e minute. L'EFO aura tout essayé dans ce match, mais la réussite n'était pas au rendez-vous. La mayonnaise n'a pas encore pris, mais on travaille pour ça chaque semaine, mais je pense que ça va venir. Il y a eu des occasions, comme tous les jours, mais je pense qu'avec les entraînements, on continue à travailler, ça va venir. L'USO peut donc savourer sa victoire. Les garçons ont mouillé le maillot à la satisfaction de tous. Nous venons d'une défaite assez cruelle et un début de championnat difficile avec ces jeunes qui sont dans l'apprentissage et avec un projet de jeu qui se met en place petit à petit. Je crois qu'on a pris au très au sérieux cet adversaire qui n'est pas un adversaire non des moindres. Si bien qu'il fallait aller à 200% parce qu'à 100% on ne pouvait pas. Et à 200%, je leur ai dit de croire et de croire beaucoup plus à ce qu'on va faire et ce qu'on fera. Le chemin à parcourir est encore long et le travail à abattre reste considérable. L'AS Police poursuit sur sa lancée. Le premier a tenu l'USFA dans le choc des corps habillés. 0-0 au stade du 4 de Ouagadougou en deuxième rencontre. Mathias Trabo, Mamadou Wina. AS Police USFA, une opposition entre forces de sécurité et forces de défense, mais aussi une opposition de style. Au jeu technique, à une touche de balle prônée par Moussa Ouédraogo Mourinho, l'AS Police de Idrissa Kongo oppose un jeu plus physique. C'est une équipe qui joue physique. J'ai essayé de contrer ça par un football plus technique, un football plus chatouillant. L'USFA se crée d'ailleurs la première opportunité de but. La contre-attaque de l'AS Police laisse des sueurs froides dans le camp de l'USFA. Un passage à vide que les policiers ne mettent pas à profit avec deux occasions vendangées coup sur coup. Conséquence, la première période est sans but. L'AS Police reprend le match avec plus d'envie et cela se concrétise à la 52e minute par l'ouverture du score de Patrick Sawadgo. Un but qui amène l'USFA à réagir vite. Les militaires pilonnent sans relâche le camp des policiers. Et à la 62e minute, Hassan Kanazou égalise. La suite du match se résume à une partie de munitions cachées entre militaires et policiers. La rencontre prend fin ainsi sur le score de parité d'un but partout. Entre deux touches, les joueurs ont été inattentifs et puis bon, le score est venu. On a cravaché après le but. J'ai senti que les enfants ont mouillé le maillot. On a pu égaliser. On a eu beaucoup d'occasions. Mais c'est le foot, hein, c'est le face au foot. C'est pas l'équipe qui domine qui gagne toujours. Le nul, c'est pas mal à prendre. Et on va se reposer pour mieux se récupérer et repartir à Bobo. Et d'ici le samedi, là, pour. Et s'il peut être Dieu, chercher les trois points là-bas. Promis cette saison dans le championnat d'élite, l'AS Police semble déjà dans le bain avec une victoire et trois nuls après quatre journées. On ne sait pas trop, mais de toutes les façons, avec le jeu, ça va payer. Et quelle qu'en soit la situation, si on a le titre, si on arrive à jouer le titre, on joue le titre et on gagne le titre. Le rêve est bien permis, mais il ne faudrait pas aller à la guerre, la fleur au fusil, car le championnat est un véritable marathon. Raimo FC, le deuxième nouveau venu, joue très bien dans la cour des grands. Il s'est offert le luxe de venir refroidir et mater le Santos à domicile à Ouagadougou 2-0 en première rencontre au stade du 4 de Ouagadougou. Rachid Sawadgo, Paul David Bambara et Mamadou Wina. Les académiciens très à l'aise entament la rencontre avec plein de confiance. À la 15e minute, Issa Gour, d'un centre parfait, trouve la tête de Soumaïla Ouattara pour l'ouverture du score. Et avec mon expérience, je suis venu pour aider le Raimo et mes jeunes frères qui sont à Raimo. Et je pense qu'ensemble, ça va aller. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, Antoine Ilboudo, l'entraîneur du Santos, apporte de la vivacité à sa formation avec ses changements.
À la 78e minute, Ahmed Belem fait irruption dans la défense de Santos. Bakary Drabo, l'arbitre central, voit une main d'un défenseur du Santos et indique le point de pénalty. Fatao Bande s'en charge pour le 2-0. Surpris à domicile, le Santos courira derrière le score jusqu'au coup de sifflet final. Ce soir, le dieu du foot n'était pas avec nous, tant plus que nous avons eu aussi notre part dans le jeu. On n'a pas pu concrétiser, l'adversaire en a eu, il a su exploiter. Bon, c'est ça aussi le foot, donc on se remet en cause, on va travailler davantage à remonter la pente. Il faudrait qu'on se réveille. Et pour bien bondir. C'est vrai que les enfants là, ils se comprennent, ils sont ensemble depuis un bout de temps. Ils ont joué la BD ensemble. Là, ils sont ici. Et d'autres sont venus les compléter, notamment le groupe et la Trasmaïla. Ils apportent leur expérience. Je pense qu'ils sont en train de donner. Tout n'est pas parfait. Nous allons tout travailler pour vous. La jeune formation de l'ex-international Raïm Ouédraogo retourne à Bobo Dioulasso avec les sentiments d'une mission accomplie. 8 points en 4 journées et à 3 longueurs du leader RCK. De quoi se réjouir. Dans les autres oppositions de cette 4e journée, le RCK a conforté sa position de leader en éteignant et en coulant la Sonabel 3-1. Kozaf et le BPF se sont tenus en respect 1-0. L'AGEB a dominé le score de Banfora à Bobo 2-0. Au total, 20 buts ont été inscrits. Pour l'heure, c'est la journée la plus prolifique. Au tableau de classement, le RCK est solide leader, 10.5, suivi de Raïmo FC, 8.4 et de l'AGEB, 3e, 8.3. Le Majestic est 4e, 8.2 et l'ASFB, 5e, 7.1. La 6e place est disputée par l'AS Police et l'USFA au coude à coude, 6.1 chacune. Le RCB et l'USO suivent avec 5.1 respectivement et se disputent la 8e place. La 10e place est disputée, elle, par le Santos et Kozaf à 4.-3. L'ASF et Kozaf. Et donc le Santos se dispute la 10e place avec 4.-3. L'ASF Yenenga est 12e à 3.-1. Suivi par le BPS de Kourou, 13e, 2.-2. 14e, l'étoile filante de Ouagadougou, 2.-3. La 14e place, au coude à coude, on a l'Efodong et l'USCO avec 2.-3. Et la 16e place est pour le moment détenue par l'AS Sonabel avec 2.-4. La 5e journée est prévue ce week-end avec quelques modifications dues à l'indisponibilité du stade municipal de Ouagadougou ce samedi et dimanche. Le stade du 4 août n'étant libre que le dimanche. On découvre avec vous, Mamadou Wina, les affiches de cette 5e journée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Et comme pas extraordinaire, les deux terrains de foot ne sont pas disponibles pour le foot ce week-end à Tambo. On va faire avec. Donc on ça ne rien comprendre. Oui, à ne rien comprendre si c'est des terrains de foot ou pas. ISO, on aura ISO ASFB sur le terrain du RCK et à 15h30, évidemment, ISFA AGF sur le terrain de l'USFA et à Bobo RCB AS Police au stade Wobi, USCO COSAF au stade municipal de Banfora et BPS EFO au Batiebo Balibé de Koudougou. Ça, c'est le programme de samedi, dimanche, RCK Santos FC au 4 août à 15h30, suivi à 17h45 de ASFA Yenga AS Sonabel au 4 août évidemment. Et à Bobo, on a Raïmo FC, Majestic FC au stade Wobi. C'est le choc des magiciens, des académiciens du moins. On va également parler du programme de la D2. Oui, la D2 aussi qui se joue. Oui, il y a déjà un match samedi dans la poule B. On a Falem contre Banque Sport au stade municipal de Wayuya. Sinon, pour le reste, la 2 de ce jour, dimanche, dans la poule A, on a CFO, Canot du Sud sur le terrain. Bon, quelques matchs, hein. Ce n'est pas tous les matchs qu'on va pouvoir donner. Canot du Sud, CFO, Canot du Sud sur le terrain de l'EFO, ASEC, Salitas, au Batibo, Balibier, et USS, AS Douane à Léo. Et au niveau de la poule B, on aura Uzi, Bafougui, FC au stade municipal de Wayuya, ça c'est dimanche. Royal FC, JCB au Sangoulé, La Misane.
Merci beaucoup, Mamadi Wena, pour toutes ces nouvelles. On reste avec la D2 pour les résultats de la quatrième journée. Dans la poule, Adjawaba Djawaba est tombé 1-2 devant le CFO. Salitas a défait 9 Athletic 2 buts à 0. C'est sur ce même score que Azo a disposé de Canon du Sud. Et AZ s'est incliné lourdement 0-3 devant Léopard de Saint-Camille, de même que Zénith de Coupella devant l'ASK. Dans le derby de la ville, FAC et Fabao se sont neutralisés 0 but partout. De même que l'Ice donne et la sec, mais d'un but partout. Sanor a fait craquer U2S, 1 but à 0. Dans la poule B, Lusfran a eu raison de Bobo Sport 0-1 et le JCB a dérouté le Kiko FC 2 buts à 0. Le Bafouji et l'Esmaïa se sont séparés 0 but partout, ainsi que Lasco et Luzi. BSD et Falem 1 but partout. AFAC B a surpris OSM 1 but à 0. La SATEMA Bouquin a coulé le Sourou Sport 3 buts à 0. Le Banquip Sport a pris le meilleur sur Royal FC 1 but à 0. Mais au cours de la troisième journée, le derby de Didougou a vu les deux clubs Olympique System et le Banquip s'accrocher 2 buts partout. Retour sur cette rencontre avec Paul David Bambara et Mamadi Wena. Olympique System du Mouhoun, Banquip Sport a été un vrai derby. 4 buts, un spectacle d'un bon niveau malgré l'état du terrain et un public des grands jours. Pas de rang d'observation au coup d'envoi de l'abbé central Nestor Olonoufé. La toute première occasion du match est pour l'Olympique. Bankou réagit dans la foulée mais ne trouve pas le cadre. Le match est très animé mais aussi trop heurté. Dans les arrêts de jeu de la première période, le gardien de but de l'OSM boxe la balle hors de sa surface de réparation. Il s'en sort avec un carton jaune et le coup franc direct est accordé à Bankui. Zakaria Topsoba, d'une frappe magistrale, loge la balle au fond des filets de l'Olympique. 1-0 pour Bankui et c'est la pause. En seconde période, le match reprend avec une accélération de l'Olympique Système du Mouhoun et à la 53e minute, Serge Tanguy Ouédraogo, à la suite d'un coup de pied arrêté, ramène les deux équipes à un but partout. Sur la lancée, l'Olympique rate de prendre l'avantage. Bankou Sport, lui, ne rate pas l'offrande. L'homme des coups de pied arrêté, Zakaria Topsoba, est à la baguette. Cherche Milogo dévie la balle dans ses propres buts. Et c'est le 2-1 pour Bankou. J'ai vécu un très bon match parce que dans la semaine, mon coach m'a fait travailler des coups de pied arrêtés, ce qui nous favorise dans les matchs suivants. L'OSM ne désarme pas et jette toutes ses forces dans la bataille. Cherche Tanguy Ouédraogo enfile la tunique du sauveur et égalise pour l'Olympique. Ça a été un match très très important pour moi. J'avais voulu marquer, mais Dieu merci, j'ai marqué 2 buts, donc je suis fier. 2 buts partout, le derby de Doulay a tenu toutes ses promesses, mais ce score de parité n'arrange personne. Il y a des regrets, surtout quand vous voyez les buts qu'on a pris sur 2 coups de pied arrêtés. Je pense que c'est des travaux standards qu'il faut revoir, quoi. Sans quoi je ne suis pas satisfait, parce que la prestation de mon équipe méritait mieux que ça. C'est un derby, donc on est dans la même ville, on se connaît. Donc quand même, on a essayé de vraiment se préparer vraiment en conséquence. On marque, malheureusement pour nous, on revient au score. Bon, c'est décevant vraiment. La saison est toujours longue, mais Dedougou a hâte de retrouver l'élite. Qui de l'OSM et du Bankou Sport en sera-t-il capable? Il faut attendre sûrement le mois de juillet pour donner réponse à cette question. La deuxième journée, le match entre les deux récalés de la saison écoulée n'a connu ni vainqueur ni vaincu donc à Didougou. Et le Bankou Sport et l'Uzi se sont quittés 0 but partout. Les images donc que vous suivez sont signées Souleyman Sanou et Dabakini. Dabakini donc qui sera très heureux de vous retrouver dimanche à partir de 21h pour son émission Retour à l'écran. Son invité de cette semaine est Dramane Nyanou, ancien international et entraîneur de volleyball. Soyez donc au rendez-vous. En bref, le Real Madrid vainqueur en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Et du club América disputera la finale devant Kashima Antlers, tombeur de Atlético Nacional, 3 buts à 0. Ça sera ce dimanche à l'International Yokohama Stadium. Au Japon, le représentant africain, le Mamelodi Sundowns, termine 6e et avant-dernier, mais empoche $1 million de primes. Voilà, c'est tout pour ce magazine des sports. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.